Est-ce que tu veux? Non, je vais pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Écoute le bruit, ok? Tu vois? Donc, tu Non, c'est un exemple que j'ai fait. viens de C'est pas vape. vape? J'ai pas vape, j'ai pas vape. Prends la vape, je veux J'ai bien voir pas. ma maman. J'ai pas vape. Tu comprends pas que j'ai pas vape? Arrête La ta... vape! Ah! Yo tout le monde, vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, aujourd'hui, je vais faire croire à mon petit frère que j'ai trouvé un vape sur lui. C'est pas vraiment un vape, c'est une boîte de mine pour les pouces mines. Donc là, il va bientôt venir et là, je vais le confronter par rapport à un vape que j'ai trouvé dans ses affaires. Et imaginez, moi, je suis en train de blaguer là, mais il me dit qu'il a déjà vape. Donc là, on va l'attendre. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Like it. Go. A few moments later. Viens. Ça va, mon gars? Bah oui, mon gars. Pourquoi tu parles avec mon gars? Ah non, c'est parce que j'ai vu une vidéo YouTube. Mais je suis pas tes potes là. Pourquoi tu parles comme avec ton manga là? Ouais, mon gars. Donc, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Pourquoi? C'est juste savoir comment était ta journée hier. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'était cool. Ben, j'étais à l'école de 1. T'as l'école? T'as fait quoi à l'école? J'ai travaillé, après j'ai joué au basket et après je suis rentré à la maison. Ok, c'est cool. Tu vois la dernière fois quand je t'ai passé devant ton école en voiture là, hein? Ouais. Frère, j'ai vu des gars là. Ils m'arrivent ici, frère, on dirait des nains. Mais non, c'est pas des nains. Mes frères, ils sont hyper petits. Ils ont l'air d'avoir maximum 12 ans avec un vape de leur main, frère. On dit ils une sont... vape, mais ok. On dit quoi? Une vape, c'est normal, non? Comment ça, une vape? Ben on dit pas un vape, on dit une vape. Comment tu sais ça? Comment tu sais qu'il faut corriger? Non, mais. Comment c'est qu'on dit une vape et pas un vape? Non, c'est juste parce qu'il y a eu des gens qui. C'est le professeur qui a dit ça. Ok, bon. Je roulais devant ton école là et là j'ai vu des gars là, frère, avec une vape dans leurs mains. J'espère que t'es pas dans ces gars là. Je suis pas dans ces gars là. C'est même pas mes amis. Je les connais même pas, tout court. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Donc là, si je prends ton sac à dos et je cherche un vape, je vais pas en trouver un dedans. Une vape. Une vape, une vape. Je ne vais pas en trouver un dedans. Non, va le chercher si tu veux. Parce que honnêtement, si tu vapes, hein, tu sais ce que je vais te faire? Toi, pourquoi? Toi, ton corps là, hein, je vais l'extraire de tout le vape que tu as pris. Ok? Je vais extraire tout le vape de ton corps, le prendre, le remettre dans ton corps, le ressortir et le jeter. C'est ça que je vais faire. S'il y a une seule trace de vape dans ton corps, c'est ça que je vais faire. Mais j'ai jamais pris de vape de ma vie et je vais jamais prendre de vape. Ok, c'est bon, mais si. Attends, si est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Pourquoi changer de sujet? Parce que je me sens pas à l'aise avec ce sujet. Comment tu te sens pas à l'aise avec ce sujet là? Juste, est-ce qu'on peut changer? C'est quoi ton nourriture préférée? Attends, t'as jamais vape mais t'es pas à l'aise. Hey! T'as jamais vape mais t'es pas à l'aise de parler de vape. Mais oui, j'ai jamais vape mais je suis pas à l'aise, c'est tout. Pourquoi? Ben... Parlons de ça, non? Pourquoi t'es pas à l'aise? C'est quoi ton nourriture préférée? Cache quoi? T'as quelque chose à cacher? Je cache rien. Mais pourquoi t'es pas à l'aise de parler de ça? Ben parce que. C'est quand la dernière fois t'as vu quelqu'un vape? Je sais pas. Yo, là je vais être au but là. J'ai fui dans ton sac à dos, cherché la clé de la maison et là maintenant j'ai trouvé un petit truc un peu bizarre là, un petit truc noir là. Dis-moi c'est quoi? Je pense que c'est de quoi je parle. Non, 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 c'est de quoi je parle. Je sais pas de quoi tu parles. Un petit truc noir comme ça là, c'est quoi? Dis-le moi. Non, pour de vrai, je sais pas. Il est grand comme ça à peu près et il fait des bruits bizarres. Il fait des bruits comme ça là. Je sais pas c'est quoi. Dis-moi c'est quoi? Je sais vraiment pas c'est quoi. Ride, si tu rides, c'est de quoi je parle. Voilà, oh my god. Dis-moi c'est quoi, j'ai fouillé dans ton sac à dos, j'ai trouvé un truc. Mais montre-le moi si tu l'as, tu l'as même pas, c'est sûr. Je l'ai sur moi, mais je veux que tu me dises quoi d'abord. Je sais pas de quoi tu parles. Tourne-toi d'abord, attends. Il veut me dire des mensonges. Voilà ce que j'ai trouvé dans ton sac. Dis-moi c'est quoi. Mais montre-le moi. Mais non, tu le vois bien, tu vois bien le bouchon, tu vois bien le bouchon, voilà. Je sais pas c'est quoi. En plus, c'est quoi? En plus, t'entends sourire là? Non, je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu vapes? Non, je vais pas! Qu'est-ce que tu comprends pas? Parce que si tu vapes là, comme je t'ai déjà dit, je vais extraire toute l'air de ton corps. Mais tout le je vape ne là. Vape pas! Mais c'est quoi ça alors? Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Mais pourquoi t'es toujours pas allé te parler de vape? Ce que je veux dire, t'es coupable alors, non? Je suis pas coupable! C'est tout! J'aime juste pas parler de ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas la vape. Mais comme ça te met mal à l'aise parce que j'en parle. Et là maintenant tu veux pas que je te soupçonne, c'est ça? Mais pourquoi tu me soupçonnes? J'ai même pas vape. Tu trouves ça dans ton sac, combien de fois je te désire? Mais juste mets une vape, juste montre-la moi bien. Tu l'as montre-la moi. Non, t'as déjà vu, tu l'as déjà vu. Non, c'est pas, mais c'est pas parce que t'es fou dans ton sac. Non, 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 non. Écoute le bruit, ok? Tu vois?
T'as vu? Je suis sûr que tu le fais avec ta bouche, le bruit. Frère, c'est la machine, écoute. Donc c'est une vape. T'as vape. Donc tu viens de vape. Non, c'est un exemple que j'ai fait. C'est donc tu viens de vape. J'ai pas vape, j'ai pas vape. Donc tu viens de vape. Je vais aller dire à maman que c'est une vape. C'est à toi. Donc t'as vape. Non. Ok, je vais appeler maman. Non, attends, c'est toi d'abord. Tu me traites de vapeur. J'ai pas vape parce que c'est un exemple que j'ai fait. J'ai pas assez de vape. Montre la vape. Je veux j'ai bien pas... voir maman. J'ai pas vape. Tu comprends pas, j'ai pas vape. Arrête ta vape. J'ai pas vape. C'est un vape. C'est à toi, c'est à toi. Mais toi, t'as vraiment vape. J'ai pas vape. Même si je sais que c'est pas une vape. Et toi, tu vois que c'est une vape. Et c'était pas dans mon sac. Donc, t'as trouvé une vape. Et t'as vape en plus. J'ai pris dans ton sac et j'ai vape pour te montrer un exemple. Mais j'ai jamais vape auparavant. C'est toi qui vape. Même si c'était dans mon sac, moi, j'ai jamais vape. Donc, toi, tu hey, vape. Il était dans ton sac. Donc, t'as vape. Il était dans mais ton j'ai sac. J'ai jamais vape. Qui te dit qu'un gars n'a pas mis sa vape dans mon sac, sauf par exprès? L'excuse de tout le monde. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. Je vais aller dire à maman tout de suite que tu viens de vape. Je vais dire à maman que je l'ai comme ça, elle m'a bien te chicaner. Et plus mon problème. Si tu veux pas que je dise, change de sujet tout de suite. Sinon, je vais la dire maintenant que tu vape. Go. Attends, mais au fait, essaie de retourner la situation contre moi. On change de sujet tout de suite. J'ai pris dans ton sac à toi, pas dans le mien. On change de sujet. Mais pourquoi tu veux toujours qu'on change de sujet? Parce que t'es louche. Mais je suis pas. Attends, j'essaie de retourner la situation contre moi alors que c'est toi. J'ai pris ça dans ton sac à toi. Boug! Mais moi, tu viens de vape, exactement! Mais attends, j'ai pris dans ton sac à toi! Boug, c'est à toi! Pas à moi! C'est à moi! Je sais pas si t'as qui! C'est à toi! Si tu. Même, comment tu sais que c'est une vape? Mais c'est une vape! Donc t'as déjà fait une vape! Donc t'as déjà. Qui a jamais vu une vape? Mais moi, je sais pas c'est quoi une vape, pour de vrai! Tout le monde en a déjà vu une, donc arrête de faire genre. Mais j'ai jamais vu de vape pour de vrai! Ouais, ouais, t'as jamais vu! Oui, j'ai jamais vu! J'ai trouvé un dans ton sac, mais t'en as jamais vu! C'est pas ta moi, Junior! En plus, toi, tu viens de vape! Donc là, toi tu fais pas tous les jours. Monde, tous les jours, hey. Je vais aller dire à maman que. Elle va prendre ton téléphone, elle va prendre ton ordinateur, elle va tout te prendre. Et là, tu seras en punition. Oh, tellement de temps, comme genre 6 mois ou 1 an. Tu viens de vape et tu me dis que moi je vape. Moi, si jamais vape, c'est même pas ma vape. Je sais pas si t'as qui. Attends. Ok. Ok, là, je vais t'avouer. J'ai passé devant ton école 2-3 fois, hein. Et je t'ai vu devant l'école vape. C'est moi que j'attendais le bus et les vape étaient à côté de moi, mais moi, j'ai jamais vape. Ok. J'ai jamais vape. Donc t'as jamais vape, hein? Non, j'ai jamais vape. Et là, tu viens de vape. C'était pas un vape comme toi, c'était pas un vrai vape. C'est pas un vrai vape. Non, je veux dire à maman. C'est pas un vrai vape, regarde ça, c'est pas un vrai vape. C'est pas un vrai vape. Mais c'est ça, c'est le truc de Pousseline. Ouais, c'est pas un vrai vape. C'est pas un vrai vape. Mais c'est ça, j'ai jamais vape. Mais je veux juste voir si t'as déjà vape. Je veux juste voir si tu m'aurais avoué que t'avais vape, tu vois. Même non, si mais j'ai jamais vape, t'inquiète, j'ai jamais vape. C'est jamais vape, c'est cool. Mais comment tu savais alors qu'on disait une vape et pas un vape?